the Crypt Keeper. Amis du Fantastique, je vous salue. L'histoire que je vais avoir l'horreur de vous raconter risque fort de vous faire perdre le sommeil. Imaginez deux jeunes détectives amateurs qui se lancent sur la piste d'un vampire très très assoiffé. Et imaginez qu'il s'agisse de détectives en jupon. Deux petites inconscientes qui vont se jeter dans la gueule du loup-garou et vivre un cauchemar. Cette histoire s'intitule « Pour le meilleur et le vampire ». Si vous supportez pas ce genre de film, vous feriez mieux de rester chez vous. Des vampires! Génial! C'est à ça qu'on reconnaît un bon film d'horreur. Tu n'es pas d'accord avec moi? On peut le voir 40 ou 50 fois sans se lasser et à chaque fois on découvre quelque chose de nouveau ou alors on remarque un petit détail insignifiant qui nous avait échappé. Ouais, et en plus on finit par connaître chaque réplique par cœur. Absolument. Au fait, ça t'ennuierait de me rendre mes canines? Elles sont coiffées en appareil dentaire. Je me demande si les vrais vampires vont au cinéma pour regarder ce genre de film. Camille, on va pas recommencer. Recommencer quoi, Mélanie? Écoute, j'adore les histoires de monstres autant que toi, mais ce ne sont que des histoires. Ça, c'est toi qui le dis. Nous en avons discuté des centaines de fois et tu n'as aucune preuve de ce que tu avances. Oh, allez, arrête, ne me dis pas que t'as trouvé des preuves. Si tu as envie d'en savoir plus, rendez-vous ce soir à 10h au Croc Pointu. T'es vraiment azimuté. J'arrive pas à enlever ces maudites canines. Mes parents ont déboursé une fortune pour mon appareil dentaire. Ils vont vraiment pas être contents. Je me donne toujours rendez-vous dans les quartiers les plus sinistres. Faut être tordu pour s'aventurer dans ce coin. Ou alors... complètement inconscient. On sait pas sur qui on peut tomber. Oh, un vampire! Où ça? Oh, c'est Camille. Merci. Et vous, ça va? Mais oui, Camille. Oh, te voilà. Je suis complètement déshydratée tellement j'ai couru. À mon avis, c'est la pleine lune ce soir. Cet endroit est plein de... gens bizarres. Ah! J'ai cru que c'était toi à la table. Oh, t'es vraiment bête. Bon, si tu me disais pourquoi tu m'as fait venir ici. T'en fais pas, je vais tout te raconter. Mais je te préviens, t'as intérêt à avoir le cœur drôlement bien accroché. Regarde ça. Oh non, comme c'est triste. On a supprimé Bobo le clown de l'espace. Oh, c'était mon émission de télé préférée. Mais non, pas ça. Ça. Depuis 3 semaines, il se produit des événements mystérieux dans ce quartier. Des événements très mystérieux. Mystérieux? Quel genre d'événements? Plusieurs personnes ont dit à la police qu'elles ont été suivies par un homme avec des ailes. Un type bizarre,
qui brusquement s'évaporait dans les airs. Et qui avait la particularité de posséder deux jolies canines. Tu crois que c'est un... Oui, un vampire. Ce boulot est vraiment épuisant. Génial! Je voudrais pas te décevoir, mais je crois que tu te laisses emporter par ton imagination. Salut Eugène. Salut les filles, je peux vous emprunter le journal? Pour les mots croisés, hein? Tout juste, je suis le roi des mots croisés. Oh non, ils ont supprimé Bobo le clown. Me dis pas que tu aimais cette marionnette idiote. Je l'adorais. Alors oui, location de limousine Eugène, où voulez-vous que je vous emmène? J'arrive tout de suite, faut que j'y aille, j'ai un client. À bientôt Camille. À la prochaine, Mélanie. Merci beaucoup, Eugène. Tu me caches quelque chose, Camille. Qu'est-ce que tu mijotes? Rendez-vous chez moi demain, directement après l'école. Et n'oublie pas, t'as intérêt à avoir le cœur bien accroché. Mais puisque je te dis que ça n'existe pas, les vampires... Hé, attends-moi! Camille, t'es là? Y a quelqu'un? Ça, c'est bizarre. Oh, bon sang! Pauvre petit, si jeune et déjà contaminé. Des fausses canines et des films d'horreur? Ta sœur et toi, vous êtes givrés. Cela dit, moi aussi, je suis pas très nette. Mélanie, je suis là-haut. Bon, je te laisse regarder ton film. Si tu continues à donner ce genre d'éducation à ton petit frère, il va mal tourner. C'est quoi ce livre? Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les vampires sans jamais oser le demander? Ce livre a été écrit par le plus grand expert mondial en vampirisme, le professeur Sanguine. Génial! Protection des cercueils, comment éviter les rayons solaires. Waouh, c'est incroyable! Il y a tout un chapitre sur les... Et voici mon détecteur de vampires. Waouh! Fabrication maison. Attends une seconde. Tadam! Waouh! Fabrication maison, j'en ai fait plein. Après tout, on ne sait jamais... Mélanie, tu es géniale! Avec cet appareil, on va pouvoir pister le vampire et localiser son cercueil. Et pendant qu'il dormira... Boum, on le transperce. Oui. Faut peut-être mieux laisser ça aux professionnels. Ils sont plus qualifiés que nous. Non. Un sac à double couture? Ouais, une autre de mes fabrications maison. Et finalement, ça sert les ateliers de couture. Qui doit porter les gousses d'ail? Parce que j'ai le détecteur de vampires. Je déteste l'ail, ça pue. Mes vêtements vont sentir l'ail pendant des jours et des jours. Ça fait plus d'une heure qu'on tourne en rond dans le quartier. Ton détecteur ne fonctionne pas. Mais bien sûr qu'il fonctionne. Patience, c'est juste une histoire de réglage. Dans le livre, il n'y avait absolument rien sur les détecteurs de vampires électroniques. Il parlait d'un simple pendule magnétique. Chut, Camille. Le détecteur a réagi. Camille, silence, tu me déconcentres. Camille, il est là-bas. Oui, je le vois. Il a vraiment pas l'air commode. Ah, il monte dans les limousines d'Eugène.
avertissement était complètement idiot. Je voulais simplement le mettre en garde, c'est tout. Vite, il faut qu'on le rattrape. Excusez-moi, monsieur, vous m'avez bien dit la 10e rue, n'est-ce pas? Et c'est pas souvent que j'emmène des clients là-bas. Y a pas de maison dans la 10e rue, juste quelques entrepôts abandonnés. C'est un endroit plutôt lugubre. Il n'y a personne qui ose s'y aventurer. Enfin, c'est vous le client. Location de limousine Eugène, où voulez-vous que je vous emmène? Comment vous le trouvez, mon slogan? Tu as pris les pieux, Mélanie? Non, j'ai les gousses d'ail, rien d'autre. Est-ce que je peux être bête? J'avais oublié, je les avais mis dans mon sac. Ah, attention! Camille! Oh, ah, oh non! Tu veux me tuer ou quoi? Tu t'es fait mal? Ils sont là. Ça y est, Mélanie. Le moment est venu. Réponds-nous, Eugène. Tu es là? Transperce-le, Camille, vite! Du calme, Mélanie. Y a personne. Eugène a dû prendre la fuite. Il faut qu'on le retrouve avant qu'il ne soit trop tard. Je coupe le son. Comme ça, le vampire ne pourra pas entendre le détecteur. T'as raison. Faut pas qu'on fasse de bruit. T'as dit quelque chose? Non. Comment? Crie pas comme ça. Hein? On a apporté des pieux et une gousse d'ail. On s'est même équipé d'un détecteur de vampires ultramoderne. Mais on a oublié de prendre une torche électrique. Aïe! Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit aïe! Crie pas comme ça, Mélanie! Regarde! Il est vraiment tout près. Je le vois pas. Où est-ce qu'il peut bien se cacher? Il est là-haut, juste au-dessus de nous. Ne me dis pas que t'as l'intention d'aller voir. Bien sûr que si. Je me vois bien rentrer chez moi et dire à ma mère: salut, je suis devenue un vampire. Si jamais il réussit à boire notre sang, on est bonne pour habiter dans un cercueil. Et on sera obligé de poursuivre notre scolarité avec des cours du soir. Oh ah! Accroche-toi, là. Un vieux bureau abandonné. Avec un cercueil. Il dort dans son bureau, Camille. Il doit vraiment aimer son travail. Camille! Il est là! C'est maintenant ou jamais, transperce-le! Non, transperce-le toi! Non, c'est toi qui as fabriqué les pieux! Peut-être, mais c'est toi qui dois le transpercer! Moi, je dois juste lui lancer de l'ail! Non, c'est moi, l'ail! Pas du tout, l'ail, c'est moi! Mais tu détestes l'ail! Je disais ça pour rire! Oh. Oh. Mm-hmm. Tu as vu, c'est Eugène. Allez, vas-y, Eugène, transperce-le, ce sale vampire. Vas-y, allez, Eugène, courage. Oh non, c'est Eugène, le vampire. C'est incroyable.
incroyable. Salut les filles. Le volant. Après tout, je n'ai pas mon permis de conduire. Mais toi, tu l'as. Alors, c'est toi qui vas conduire. Pousse-toi. Vous enfuyez, est-ce que vous auriez une dent contre moi? Verrouille les portes! C'est quel bouton? Préviens-moi quand elles seront verrouillées! Ça y est pas! Où il y a Eugène, il n'y a pas de plaisir! Stop! Ça y est, les portes sont fermées et c'est nous qui avons les clés. Autrement dit, il ne peut pas rentrer. Erreur! Allez, viens, Mélanie. Sortons d'ici. Est-ce que je peux savoir ce que vous fabriquez toutes les deux? Oh, on rigolait. Professeur Sanguine? Pour vous servir. Oh, c'est un grand honneur, professeur. Mélanie, c'est le professeur Sanguine. Vous ne devriez pas être ici. C'est très, très dangereux, la chasse aux vampires. On peut faire des rencontres plutôt saignantes. Ça, vous pouvez le dire. On doit toujours laisser ce genre de travail aux professionnels. Oh, ça, vous avez raison. Si nous n'étions pas intervenus, je suis sûre que vous l'auriez attrapé. Cela va de soi. Grâce à mon pendule magnétique, j'ai réussi à trouver sa cachette. Mais ce maudit pendule s'est détraqué. Ce qui fait que j'étais incapable d'identifier cette affreuse créature. Alors, vous avez décidé de l'attendre? Exactement. Par malheur, je ne me doutais pas qu'il s'agissait du chauffeur.
pourquoi n'êtes-vous pas venu le supprimer pendant la journée? Oui, c'est vrai, j'aurais pu venir pendant la journée, Mais vous ne vouliez pas agir au grand jour pour ne pas alarmer inutilement les gens du quartier. Alors, vous avez préféré risquer votre vie la nuit pour éviter une panique générale? Oui, c'est tout à fait ça. Vous savez, professeur, c'est dépassé le pendule médiatique. Vous devriez utiliser un détecteur de vampires électronique. Ah bon? Oui, oui, c'est plus efficace. Si vous voulez, je peux vous en vendre un. Il faut que je réfléchisse. Moi, je fabrique des pieux. Oh, je me suis trompé. Il n'y avait pas de loup-garou dans cette histoire. Oh non, voilà l'automne qui commence. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, les amis, mais cette histoire m'a drôlement donné les crocs. Vous connaissez sans doute le proverbe, lorsque le chauve sourit, le vampire rit sous cap. En tout cas, méfiez-vous quand vous prenez un taxi. Très souvent, les chauffeurs essaient de vous saigner à blanc.